Nouvelle année, nouvelle perspective. La télévision nationale d'Haïti, par l'entremise de Édition 10, souhaite à tous ses téléspectateurs et à toutes ses téléspectatrices une bonne et fructueuse année 2018. On est le mercredi 3 janvier 2018, c'est la première sortie de Édition 10 pour la nouvelle année. Bonsoir à toutes et à tous, merci une fois de plus de votre fidélité. Bienvenue aux informations. Le président de la République, Jovenel Moïse, a commémoré le lundi 1er janvier au Gonaïve les 214 ans de l'indépendance d'Haïti. La cérémonie de commémoration a été organisée autour du thème « Unité et développement économique ». Cette cérémonie a été l'occasion pour le président de dresser le bilan de ses réalisations au cours de l'année 2017. Suivons. Excellences, Monsieur le Président, la caravane devait retourner dans la Tibonite pour une deuxième fois. Et nous espérons que Gonaïve, cette fois-ci, ne sera pas oublié. Président Messamoun Gonaïve Vampando, tout d'abord en agriculture. Nous avons besoin que de l'eau revienne dans sa vanne désolée pour arroser terre, pour bailler charrette et travail planté qui est à fait. Nous avons besoin d'un programme agricole en pleine Gonaïve qui a remembré la production agricole là. Zone de rivière Bayonnais, c'est zone qui a pile possibilité dans affaires travail la terre. Il y a de l'eau, seulement ce système qui peut gagner pour arroser terre. Président, vous équipe technique du département agriculture, regardez ça. Section communale bassin, c'est une section qui a un plus gros château de l'eau dans le pays. Nous pas qu'à quitter le gaspiller. Nous pas qu'à faire agriculture sans énergie. C'est pour ça que nous avons demandé un plan pour nous mettre courant dans toute section communale Gonaïve. Nous avons l'autre bord. Nous avons besoin d'une autre passerelle pour nous passer dans la zone qui a foudé tout la bord pour éviter accident, surtout quand nous avons aller à l'école. Nous avons besoin, Président, d'un aéroport. Nous avons déjà fait abattage là. Ouaf là, nous avons besoin de ranger. Complexe administratif là pour le finir. Palais administratif là. Gare routier. Pas Vincent qui pourrait faire. Ça, yo, nous avons besoin, yo, Président, pour communément avancer. L'idée, pour chaque Haïtien, vivre la caille, dans la dignité. L'idée, pour chaque Haïtien, qui a une lumière à la caillou, 24 sur 24. L'idée, pour chaque Haïtien, qui a de l'eau dans le robinet la caillou. L'idée, pour chaque paysan, chaque agriculteur, qui a de l'eau pour user terre. L'idée, pour Internet, permettre tout Haïtien, jeune garçon et jeune femme, qui a connecté avec le monde entier. C'est là ça. Rêve, papa de Saline, à réaliser dans la vie. C'est là qu'on a amélioré l'héritage pour nous transmettre les bâtiments de nous en de bonnes conditions. C'est là ça. Nous avons dit, pays a indépendant tout bon vrai. Nous faisons indépendance politique là. Qui bon en pile. Jodi a nous son nation. Jodi a nous son peuple. Mais gros bataille là. Indépendance économique là. C'est lui même pour nous commencer à mettre tête ensemble. L'idée ça. L'idée papa nous de Saline, Christophe Toussaint Pétion Capois. Yo te met nan tête yo pour yo te ban nou indépendance lan. L'idée ça jodi a génération pam nan. Politicien même ja mwen. Membre communauté internationale là. Moun kap travay nan l'état yo. L'idée ça jodi a l'idée indépendance économique lan, c'est l'idée ça pour nous mettre dans la tête nous, pour nous retirer le pays dans sa liée aujourd'hui. En cette même occasion, le président de la République invite à la table du dialogue tous les secteurs de la vie nationale, y compris les partis politiques dans l'intérêt du pays. Le chef de l'État exhorte les Haïtiens à se montrer dignes de l'héritage laissé par nos ancêtres. Il s'agit de faire avancer le pays sur les plans politiques, social et économique, insiste le premier mandataire de la nation. Un extrait. Est-ce que nous prenons conscience, nous analysons erreur, faute nous fait qui conduit le pays à un mauvais chemin?
Est-ce que nous prenons conscience que nous devons changer route, mettre un point final dans mauvais choix politique public? Est-ce que nous prenons conscience que Haïti c'est un bien collectif, un bien nous devons faire prospérer pour nous transmettre petite nous à petite nous? Jodi a 214 l'année après, cloche la sonné pour nous bailler bon genre réponse à question ça. L'il est pour chaque grand haïtien, parce que nous tous concernés, me paraît pour me faire route, pour me changer, même pas faire pour compte moi. Besoin chaque grand haïtien, besoin chaque monde qui travaille dans l'État depuis octobre pour arriver jusqu'à ministre, jusqu'à premier ministre là. Besoin chaque grand policier depuis agent 1 arriver jusqu'à commandant directeur général police là. Besoin tout militaire depuis soldat pour arriver jusqu'à lieutenant général là. Besoin tout parlementaire, ni ça qui dans opposition radicale, ni ça qui dans opposition simple, ni ça qui a chaque moins pour nous changer pays là. Besoin parti politique qui dans opposition, parti politique tout ça gouvernement fait qui pas bon, yo wel pas bon, moi besoin jodi a Haïti bouquet parce que peuple ça résilience li la privé non point li pap ka continuer peuple ça bouquet jodi a peuple haïtien nous te fait devoir nous mettre campé yon démocratie. Yon constitution démocratique. Dans l'élection 2016, nous faisons confiance. Nous avons un mandat 5 ans pour nous travailler pour nous. Pour nous changer les conditions de la vie. Nous votons. Nous votons le programme. Nous avancer. Nous travaillons pour satisfaire les besoins de nous dans le domaine social, politique, économique et culturel. Autre information, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a salué la mémoire des pères de la patrie lors d'une cérémonie organisée au musée du Panthéon national haïtien Mupana le mardi 2 janvier 2018 à l'occasion de la commémoration du jour des aïeux. Le chef de l'État a déposé une gerbe à la salle des héros de l'indépendance au Mupana. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités de l'État, ministres, directeurs généraux, parlementaires, entre autres. Suivant. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est garder deux vis nous. L'union fait la force là. Parce que sans lui-même, nous n'avons pas le travail, mais nous n'avons pas fait grand-chose. Et je vous dis, je demande à chaque monde, chaque haïtien qui a gardé là, il faut que vous connaissiez que Haïti, c'est pays. Les ancêtres nous ont quitté pour nous et son pays nous-mêmes nous supposons travailler pour lui. Il faut me dire que nous déraper, l'année a fait commencer. Chaque monde qui dort chaque jour, l'heure levée, c'est pour garder pour qui sont faits pour le pays. Mentalité ring, mentalité chien manger chien. Année ça nous dit, son année de la paix, son année d'union, c'est ça que nous cherchons dans le pays. Pour tout le monde nous a mis tête nous ensemble. Haïtiens, on nous yon suspend la pour fig en bas pied l'autre. On nous tout ensemble retirer pour fig en bas pied l'autre. Pour l'autre pas glisser. Pour nous tout ensemble, nous allons mettre ensemble pour nous un pays meilleur. Un pays qui a une route, qui a un courant, qui a un globe moun boue, qui a un globe moun ou zéjade. On va parler éducation à présent. Un bilan des examens du bac permanent a été présenté ce mercredi pour 6 départements du pays. Le Bureau national des examens d'État, BUNEX, entend poursuivre ses efforts dans le but de faire respecter les instructions du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le directeur du BUNEX, Renan Michel, promet d'épargner aux candidats certaines difficultés dans le cadre des examens de baccalauréat pour l'année 2018. Suivons ses précisions. Nous avons 6 départements qui sont prêts pour les résultats. Nous avons un département du Nord-Est qui a un effectif de près de 30,75%. Nous avons le Sud-Est qui a 9% de réussite. Nous avons le Centre qui a un taux de 21,92%. Nous avons le Nord qui a un taux de 13,54%. Nous avons le Sud qui a un taux de 14,77%. Et nous gagnons les NIP qui ont un taux de 56,38%.
Nous avons 4 départements qui ont un résultat. C'est le département de l'Ouest, le département de l'Artibonite, le département de la Gandance et le département du Nord-Ouest. Ça nous gagne un bénéfice, c'est au moins c'est nous qui sommes capables d'améliorer le processus d'inscription des candidats. C'est nous qui sommes capables de faire en sorte que les directeurs d'école arrivent à respecter les délais que BUNEX fixé pour que vous déposez toute sa BUNEX demandé à temps. Par exemple, nous avons une liste de décision de fin d'année, nous avons une liste de formation de classe, nous avons les formules de description que nous demandons pour tout directeur d'école et c'est respecté. Autre information, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu les salutations et les vœux des directeurs départementaux du Sud. Le chef de l'État en a profité pour présenter ses perspectives pour l'année 2018. Suivant. Employé l'État qui est là, on est que département Zénamenoulier. Et en échange, le leadership dans tête d'État a changé tout. Il ne faut pas oublier, nous avons fait un an en phase d'observation. Pas oublier que 7 février 2018, nous voulons nous clair pour nous discourager, nous déraper. Nous déraper, ça veut dire nous tout qui l'a dérapé. Je ne suis pas d'accord pour nous sur un département. Et puis, après 4 heures de l'après-midi, pour me barrer directeur départemental là, dans la zone côté qui a travaillé qu'a fait là, pour aller garder avec genoux. Je ne suis pas d'accord pour un directeur départemental dans le domaine pas. Et puis, ou gardez où est-ce que vous venez faire travail pour vous et pour vous-même, vous vendez ça qu'a fait là. Je connais, quand le travail qu'a fait ce ministère, travaux publics. Je suis toujours directeur de travaux publics là, sur tous côtés. C'est le ministère environnement. Je suis toujours directeur environnement, sur tous côtés. C'est le ministère agriculture. Parfois, moi, directeur agriculture, par exemple, je dis, je ne connais pas si là. Mais je dis, nous tous nous concernons. Parce que, travaux d'infrastructure, là, nous dit pays, il faut une lumière. Lumière pour qui ça? Lumière pour mettre dans l'hôpital. Lumière pour mettre dans le centre de santé. Lumière pour mettre dans l'école. Mais qui est-ce qui est ministre de la Santé? Ce n'est pas ministre de la République, non, ministre de la Santé. Qui est-ce qui est directeur départemental de la Santé? Ce n'est pas directeur départemental de la République, non, directeur départemental de la Santé. Ça veut dire, nous, chaque nous, nous avons un rôle pour nous jouer. Aéroport au CAI, que m'a annoncé nous 2 janvier, parce que tout le monde toujours dit que le président fait trop de promesses. Je voulais pour le monde entier qu'il regarde la comme ça. Promesse que je fais, et ça me fait dans la campagne, et ça me fait pendant le président, m'a respecté tout, m'a fait tout net. Tout. Et 2 janvier, m'a annoncé en femme qui était pouvoir ça. 7 février 2022, aéroport ça, follow aéroport international. Aéroport. En cette occasion, le maire de la ville des Cayes, Gabriel Fortuné, s'est prononcé en faveur d'une meilleure collaboration entre les autorités locales. Une bonne concertation entre les autorités est nécessaire pour permettre au président de la République d'accoucher sa vision politique à faire valoir l'édile de la métropole du Sud. Ses précisions. Nous souhaitons pour gagner la paix dans le pays. Mais la paix n'a pas venu pour tête. C'est construit pour nous construire. Et c'est ça qui fait nous faire très symbolique ce matin avec l'ensemble des directeurs départementaux. Nous disons vini en blanc, symbole la paix. Symbole la paix, il faut créer la paix pour nous capables de faire le peuple à résultat. Je finis, président, je demande pour que l'année ça, premier ministre, avec toute ministre, passer instruction par le directeur départemental pour qu'on ait mairie, c'est prolongement d'État. Mairie n'est pas adversaire. Au contraire, c'est des ressources que l'État mettait pour permettre que mairie performante, pour mairie soit capable de faire des résultats ensemble avec l'État central, avec le gouvernement. Nous manquons, je veux dire ça. Et ça fait nous marcher lentement. Ça fait que résultat pour nous d'abord, dans 6 mois, nous avons besoin d'un an pour bail. Mais si le problème ça résout, dans tout le pays, ou après tout effort à faire, donc on a senti que maintenant on gêne plus de résultats. Donc je dis à ces Okaï sur Bécane président là, c'est l'année dernière, nous avons acté 4 chemins, et le président dit qu'il faut l'encourager
question ça. Donc les présents avec nous, nous profiter pour accueillir lui, mais nous pour accompagner lui pour aller participer dans gros chose ça qui c'est Okaï Soubekan, un bagay que seul Okaï dans pays a nous fait et d'aimer bénéficier de l'encadrement du gouvernement pour que nous capable faire bagay ça tourner une industrie qui capable créer emploi, nous capable faire commerce là, nous capable faire maintenant, moun vini pendant la saison ça, puis ouais, qui ça au Kay sur Bekane. On reste dans la ville de Kay pour dire que la 5e édition de Okaï Soubekan a eu lieu le mardi 2 janvier 2018 dans la métropole du Sud. Le président de la République, Jovenel Moïse, a fait le parcours avec les cyclistes locaux jusqu'à la plage de Gélé, la destination finale. Le chef de l'État applaudit cette initiative qui permet aux citoyens de cultiver l'esprit de solidarité et le vivre ensemble. Ce défilé est conçu pour encourager le renforcement des rapports d'amitié entre la population et les élus locaux qui participaient à cette activité. Suivons. Vraiment satisfait. Tout le monde premier. Tout le monde au cas net premier. Et si on saute de l'autre côté, le vinyle la premier tout. Mon au cas c'est comme ça, oui. Bon, il y a deux bagages que je la donne. D'abord, il permet de rencontrer des gens comme Yannou Tambaoué qui viennent dans l'activité. Nous, deuxièmement, il aide nous rappeler les pays en général que machines, motos, pas seulement moyens de locomotion qui gagnent. Il y a des bicyclettes, tout qui sont moyens qui non seulement protègent l'environnement, mais qui sont bons pour la santé physique. Une activité comme ça, les réunir ensemble de monde qui ont été longtemps pas ouais. C'est une belle activité, tout le monde déplacé. Vous sentez vous enjoy. Moi, pour aller, je vais dans la bicyclette parce que c'est une promesse. Je te dis, mon okay, si nous sommes sénateur Zildo, 2 janvier 2018, je vais tourner comme président de Montebécane avec vous. Un an, jour pour jour, je dis 2 janvier. Je vais monter Bécane 2 janvier 2017. Je dis 2 janvier 2018. Nous ne pas faire peur. Nous ne pas faire personne peur. Nous ne faire la misère peur. Nous ne faire sous-développement peur. Nous ne faire corruption peur. Nous ne faire division peur. Avait dit, Haïti c'est pour nous toutes. On laisse la commune de Kay pour la commune de Carrefour où le maire de la commune, Jude-Édouard Pierre, dresse un bilan positif des activités de nettoyage réalisées dans le cadre de la 5e édition de l'initiative dénommée Week-end du citoyen. Selon le maire, cette activité vise à projeter une meilleure image de la commune. Le week-end citoyen, c'est mettre fatra d'ailleurs pour la mairie passer pour elle. Parce que nous reconnaissons que il y a pile bagay kay moun yo, il n'y a pas besoin à la fin de l'année, il n'y a pas acheté de nouveaux meubles. Il faut qu'il y ait possibilité que ça qui n'est pas bon, que vous mettez dehors. Tout le monde a quantité de fatra de ramasser Carrefour, il a fait bilan là, vous êtes en conférence de presse vendredi, sur le volume de chèques qui ramasse, quantité matérielle que nous déjeunons dans SMCRS que nous remercions. Nous remercions SMCRS, nous remercions DDO, TPTC, qui ont généré Yannick qui a un gros support avec CNN, qui a un support pendant une soirée. Mais franchement, c'est une véritable opération citoyenne réussie parce que l'objectif là, c'était 1000 fatra dehors et nous sommes arrivés et ramasser fatra. Par rapport à fatra, nous avons dit 1000 dehors que nous mettons dehors et que effectivement nous passons prendre. Et nous avons gagné 6 camions SMCRS qui étaient déployés avec nous, nous avons gagné 3 camions CNN pendant une journée et puis nous avons gagné 3 camions DDO, ça fait une douzaine de matériels. Et 3 déloaders, 4 bacots, 3 compressifs mairie à gagner, et bien avec un bobcat, et une dizaine de chariots de mobilettes. Et nous te mettons en phase sous après pont avec route de rail, mais jusqu'à présent, route de rail là nous fait et nous collectif à travers, mais nous pouvons lever, donc nous lever toutes. Et pendant pas la venue là, gagner machine la mairie qui a nettoyé sous route de rail là. Parce que c'est une véritable voie assez importante pour nos carrefours. Effectivement, les citoyens viennent renforcer la conviction qu'il faut qu'on site de déchets sous carrefour ou bien sous zone graissière, parce qu'on ne peut pas prendre fatra sur le carrefour pour être ensemble avec elle. Malheureusement, si ça sur le rail là, pose problème, nous reconnaissons que le côté n'est pas bon. Donc, nous n'avons pas de matériel sur une dose avec une excavatrice pour nous après compresser fatra à chaque fois que nous mettons. Nous mettons du feu là-dedans, ça nous fait que. Moun sou traio pa ka viv village Gaston Magon dans situation très très difficile. Mais en gros par rapport à quand c'est fatra nous retirer dans zone après pont dans Charpentier dans 32 sous zone Coupla sous grand rue et bien nous levons plus vraiment plus fatra. Par contre nous reconnaître matin 9h nous ouais
pendant voir il y a balé nous avons mis Fatra encore comme si nous avons dit capacité de production des chéa il dépasse très largement capacité Myria pour lever Fatra. Ça refait dans discussion de avec le président Jovenel que nous remercions vendredi 29 là nous étions dans rencontre avec la palais avec les maires de la République démontrer que nous mêmes que ce Fatra est une préoccupation majeure pour nous et que nous pour engager pour distribuer matériel ba nous mais son étape parce que Fatra pas gérer si pas une usine la donne faut que usine Fatra dans pays là et pour transformer Fatra de menace à opportunité. Fatra a géré richesse, créer revenus, créer emploi pour nous et faire mairie, l'État, il s'est fait comme solé. Petit détour dans la commune de Port-au-Prince à présent, où les autorités municipales, de concert avec le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, ont adopté des mesures en vue de nettoyer les canaux de la ravine Pintade. Le maire de la capitale invite les citoyens à collaborer avec les techniciens sur place. Suivant. Le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Fritz Caillot, a informé qu'il y a un problème dans Alexis. Il est venu, non, que la construction anarchique a empêché l'écoulement de l'eau. Donc, la population même qui a besoin d'attirer l'attention des autorités a été bloquée au-delà. Donc, dès que nous là, l'unique façon pour nous résoudre le problème, non, c'est démolir la construction faite sur le canal là, et même démolir toute une série de constructions qui faites sous Bergeant. Donc c'est déplorable puisque mon yo peut-être yo dit et année a commencé on a un problème mais vous allez comprendre et intérêt majoritaire et pour ces noms a fait ça donc et non toujours pas caché et non pas toujours dit mon yo ça éviter construire sous canal yo éviter construire sous belge canal yo tôt ou tard a démoli quel que soit moun qui gagne caille sous bon canal tôt ou tard a démoli le plus tôt possible c'est jouer dans l'autre côté. Entendons à l'État, s'il faut aider à déplacer, aider à déplacer comment? S'il faut pour nous aider à transporter des matériaux sur le coblan pour aller habiter de l'autre côté, nous encadrons dans ça, mais construire sur le canal et puis encore bloquer la route pour dire que c'est l'État qui est responsable. Bon, certainement l'État est responsable parce que l'État n'a pas dû quitter ou construire sur ce canal là. Moi, je comprends tout le système qui a eu un coup d'État dans la période, ce n'est pas hier qu'on construit, c'est depuis bien avant, et nous comptons comment payer. Donc l'État est un peu désorganisé. Chaque fois qu'on a des ordres dans l'État, la population qui est intelligente, il profite de l'espace lui-même pour faire des ordres. Mais des ordres là, c'est un bon matin pour yo corriger. Et c'est dans le cadre de correction ça nous est. Quel que soit le côté qui a empêché de l'eau en couler, nous avons privé sous lui. Il n'a privé sous l'autre théorie, tant qu'il n'a pas connu, nous avons temps pour arranger. Mais depuis la nuit, l'autre, en grande majorité de la population, l'État est obligé de trancher. Nous avons pris la construction pour nous permettre que le canal fait supposé faire, c'est drainer de l'eau. Dernier lapis qui tombe qui vient à Fatra ça là? Pendant le week-end, oui. C'est pendant le week-end, mais c'est déjà arrivé depuis en retour sur toute route là. Mais ça qui est plus important, c'est pour le dossier Fatra. C'est surtout les gens qui construisent sous canal qui cause que l'eau n'a pas côté pour le passer. Alors c'est travail ça qu'on a fait là. On a qui ça nous côté fait là, je dis là? Et, premièrement, c'est le cas qui empêche le canal de fonctionner, faire remplir le et puis ensuite, on a continué avec la question Fatra et les gens côté pour jeter Fatra et puis. Fait camion passer prendre de temps en temps et deux trois fois par semaine. Tout ça c'est une idée pour porter solution par rapport à problème ça. Bon, c'est sûr, c'est service qu'a bail, c'est pour ça là. Et n'a travaille n'a bail service dans tout côté que besoin ça. Bon, on travaille en pile, c'est au fur et à mesure, nous pas un bâton magique, nous pas une baguette magique, c'est de temps en temps n'a fait ça en café et puis n'a pas avancé. Nous n'a gardé mes fatras après tout canal la net là. Bon, comme vous constatez, le caméra là, on va le montrer mon yo, mais on va le montrer surtout car que n'a crasé, raison que fait n'a crasé. C'est pas parce que nous voulons mon habiter, c'est parce que nous voulons protéger l'autre monde qui bien habité. Parce que l'eau de l'eau a monté, heureusement, c'est Fatra seulement lié. Mais en cas de cyclone, Fatra dans la condition ça, car la barre ou de l'eau, il va causer problème à de l'autre monde qui habite dans la zone. Ça va, ça l'a fait notre tête collée avec ta bibi. Et oui, bon, de toutes les façons, nous avons un équipement nous-mêmes qui pour faire travailler ça. C'est l'ingénieur Nader, c'est S2EI qui a fait là avec nous là. Je demande le matin, on a cherché le très tôt. Il est disponible et il a fait service là. Justice à présent, les membres de la famille du prêtre Joseph Simoli, assassiné le 21 décembre écoulé, réclament justice. Le frère du défunt, Josué Simoli, demande à la direction centrale de la police judiciaire de diligenter une enquête rapidement pour identifier et punir les auteurs du crime. C'est ici que s'achève la première sortie de Édition 10 pour l'année 2018. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible.
excellente soirée, mais surtout une très bonne année 2018 en compagnie de la télévision d'État. Au revoir.